frappés par les incendies de leur maison. Il y a de cela quelques jours, dans différents quartiers de Goma, plus d'une dizaine de familles ont reçu ce samedi l'assistance en tôle de la part de l'ONG Initiative Plus. Maman Olive Lembe Kabila, Ipol Ke en sigle, sous la conduite de son coordonnateur, Nanson Kubuyandole, accompagné de quelques membres de cet AS Bel. La nouvelle d'incendie de maison dans la ville de Goma est parvenue à la présidente de notre ONG, à savoir Madame Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse du président honoraire de notre République, Monsieur Joseph Kabila Kabange, ayant appris qu'il y a des familles qui dormaient à la Belle Étoile parce que les maisons ont été incendiées. Elle m'a chargé, en qualité de coordonnateur national de son ONG, de revenir d'abord à Goma, parce que je venais de l'Équateur, afin de remettre son aide à toutes ces familles. Nous avons circulé avec vous dans les quartiers Ndosho, dans les quartiers Kasika, dans les quartiers Himbi, dans les quartiers Mabanga Sud, et ici nous sommes dans les quartiers Majengo, où nous remettons les derniers lots de tôle. Je ne peux que remercier cette dame. Hormis son statut de présidente de l'ONG, donc ma patronne, je crois que comme notre sœur de Goma, nous pouvons la remercier et l'encourager dans ses actes combien louables qu'elle est en train de réaliser au profit des populations démunies, vulnérables, pauvres, parce que c'est ça la mission pour laquelle le Dieu Tout-Puissant nous a envoyés sur terre. Nous entraider et aller au secours de ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'être aidés. Nous avons remis 40 tôles par ménage et pour l'unique parcelle de Majengo, donc de Ndosho, où il y avait plusieurs familles à la fois, à peu près 10 familles, nous avons remis à chaque famille 20 tôles. Et donc, un total d'environ 440 tôles que nous venons de remettre parce qu'il y a d'autres que nous remettrons demain pour des familles dont les responsables sont absents. Le directeur de l'école primaire 3 Kibumba, qui a reçu 40 tôles après l'incendie d'une partie de ses salles de classe, et d'autres bénéficiaires, tous ont rendu des hommages mérités à l'ancien couplet présidentiel pour ses gestes généreux. C'est vraiment une grande joie de ce que la maman Olive Lembe vient de faire pour l'EP3 Kibumba, dont je suis directeur. Je lui demanderai de continuer ainsi, que ce ne soit pas la première fois, mais ça continue toujours. Jusqu'à ce qu'elle peut répondre à toutes les difficultés que les autres rencontrent. Le message que je peux adresser à maman Olive Lembe est que Dieu lui bénisse dans toutes ses activités, que ce soit les activités politiques, que ce soit les activités humanitaires, que Dieu soit avec lui. Maman Olive Lembe. Ile nyali sema kaseme hata kama statisha change lakini atabakia tu mere antuka nimeiona na kwa ile mnashukuru Mungu sana kwa yote ambayo amenitendea. Mungu endelee kumubariki, Mungu endelee kumzidishia maisha marefu, Mungu endelee kumubariki sana mahali pote ambapo atakuwa anapita kwa napata kibali mbele ya watu. Niko yatima mimi, nachunga watoto wa yatima. Na hapa kulilungula mtoto wa miaka 7 akakufa, hatukutosha hata kitu kimoja. Mimi nashukuru Mungu sana. Mtoto anakuwaka iko mtumbu ni wa mtu moyo. Mama yake na Olivia alimbebaka iko yeye peke, lakini iko mama yetu shie wote. Juka kwa mzee, nguvu yako ni mtoto mwenye ulizala. Hivi hapa fimbo yangu yenyewe niko natembelea ni ya mama Olive. Mimi nasema asante sana, sijui kama nifanye nini. Mtamwambia tumabizuza mingi ule mama alimpatia. Juu ni mama yangu. Manake sijui niseme nini. Mabizu tu mtakuwa nazimpatia, mnazimpatia za ule mama. Mimi nasema jina la Bwana libarikiwe. Notons que cette opération s'est déroulée quartier par quartier, occasion aussi pour les coordonnateurs du Polk de parler de la vision de maman Olive Lembe Kabila, qui est d'apporter le sourire à ceux qui souffrent. Vous nous aidez pour ma boue, vous n'êtes pas ni wako, aïko tout ça y a ra, ça